Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on fait pas de la dentelle, ça rigole pas. Mon ami Gérard, je tiens à te remercier mille fois. Tu m'as amené un superbe cendre. Alors le cendre, c'est le poisson noble par excellence. Poisson de rivière, c'est une pure merveille. Aussi, je vais le cuisiner très simplement. Parce que les produits d'exception comme ça, j'aime tout simplement. Donc pour réaliser cette recette, donc ce superbe cendre, il me faut de la farine de l'œuf, du sel, du poivre, du beurre, de la matière grasse, l'huile d'olive et du beurre, du persil, du jus de citron, tout simple. Donc je vais commencer par faire les dards. Donc j'enlève la tête, qui n'a pas lieu d'être. La tête, je peux la garder pour faire un petit fumet de poisson, bien sûr. Donc je vais trancher des dardes. Alors ça sert à rien de les faire épaisses, sinon elles sont plus longues à cuire. Et ça c'est bon, mais c'est bon. C'est un poisson magique ça. On va en faire 5. Il y a la place dans la poêle. Allez, 6. Voilà, pour aujourd'hui ça suffira. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais c'est tout comme je vous dis, c'est très simple. On va saler poivrer. J'ai mis ma poêle à chauffer. Je sale le poivre, moi. Voilà. Je vais fariner mes poissons légèrement comme ça. Voilà. Je vais aller côté chaud parce que je vais mettre ma matière grasse dans la poêle. Je vais les mettre plongé dans l'œuf et dans la poêle directement. Voilà, je trempe dans l'œuf. Je fais aussi le merlu de cette façon, j'aime beaucoup. Farine, œuf, je trouve très bien. Vous voyez, je vous avais dit, il y a la place dans la poêle. Voilà. Là, on est parti sur 10 minutes de cuisson. Alors, pas trop cuit, je l'aime un peu translucide à l'arête quand même. Le poisson trop cuit, c'est pas non plus. Et là, on va le laisser, vous voyez, je l'ai mis à feu doux, très doux même. Je vais laisser 5 minutes d'un côté, 4-5 minutes de l'autre. Voilà, tout simplement. Bon, mais voilà, j'ai mon cendre qui cuit depuis. Donc, j'ai cuit 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Pour moi, il est parfait. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je vais déglacer au citron et au persil.
citron, un bon papier infertile. Voilà, super. Et après, on va aller le dresser sur assiette. Là, regardez-moi ça. C'est magique. C'est comme ça que je l'aime. Tout simplement. Surtout, comme je vous dis, pas trop cuit. Et après, on peut... Voilà les amis, le cendre de Gérard. Mille fois merci encore Gérard. Alors ça, c'est un pur régal. Bien entendu, et si vous voulez faire avec un autre poisson que le cendre, vous pouvez, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire le merlu, vous pouvez faire le poisson que vous aimez. De la même façon, farine, œuf, persil, jus de citron. Tout simple. Excellent. Voilà les amis, je vous remercie. À la chatte.